Nous allons vous accueillir. Les étudiants vont vous accueillir en masse, car ils sont heureux de savoir que vous êtes leur nouveau berger. Lorsqu'ils seront de retour, ils vous accueilleront comme de vrais bantous à la fidèle. Soyez donc rassurés, les étudiants se préparent. Une fois de plus, soyez les bienvenus, perdurés à l'Université catholique d'Afrique centrale. Je vous remercie. Celui qui a été nommé curé de la paroisse Pédestin de l'Université catholique d'Afrique centrale s'avance. Abbé Christian de l'Ocambe. Me voici. L'abbé Christian Frédéric de Nocombe est docteur en communication sociale institutionnelle et expert en communication de l'Église. Il est né le 20 avril 1971 à la Touré, Cameroun, ordonné le 16 avril 2004, incarnation à Chine-Seine. Il parle très bien trois langues, français, anglais et italien. Cursus académique de 1984 à 1991, signé Saint-Thérèse de Vaudier, il obtient son baccalauréat à Dieu. 1991, grand signé de poétique Saint-Laurent de Vaudier, Monseigneur la communauté de la paroisse Saint-Augustin, nous connaissons présente l'abbé Christian. Et demande que vous l'installiez curé de la paroisse. Monsieur l'abbé Christian Frédéric de Nocombe, avant d'être installé, il convient que vous déclariez à l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous recevoir la charge de curé? Photo. Oui, sous l'autorité de votre évêque, ici même, à la paroisse Saint-Augustin de l'Université catholique d'Afrique centrale, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est fait pour nous à son Père, et avec lui, vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Monsieur l'abbé, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu même achève en vous ce qu'il a commencé. Et maintenant, puis avancez vers la mort. Et nous mettons debout pour la profession de foi. Monsieur l'abbé Christian Frédéric Nocon, la montre levée, veuillez professer la foi catholique. Avec une foi inébranlable, croit et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été.
est fait. Pour les hommes et pour notre salut, il est sorti du ciel. Par l'Esprit Saint et la pécheur de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous souvent ce qu'il a, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même la création et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu, transmis dans la parole de Dieu, et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale proposée par cette même doctrine de façon définitive, tout particulièrement avec le respect religieux, de la volonté et de l'intellect. J'adore la doctrine énoncée par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère pontique, même s'ils n'entendent pas être proclamés par un acte définitif. Et maintenant, M. l'abbé, la main gauche sur la parole de Dieu et la main droite levée, veuillez prêter serment de fidélité à notre mère l'Église. Moi, l'abbé Christian Frédéric Doudocol, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Saint-Augustin de Lucas, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions de loi. Je suivrai et je promouverai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code de droit canonique. Je suivrai avec obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteur authentique et maître de foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteur de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains afin que l'action apostolique, exercée au nom de l'Église et sur son mandat, soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que le Saint-Évangile de Dieu que je touche de mes mains. Au nom de Christ, pasteur et pasteur, je vous installe curé, pasteur fort de la communauté de fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Lucac. S'il vous plaît.
fleuve à la famille. Nous soyons construits. Les prêtres, s'il vous plaît, les prêtres présents, et les sœurs, les mères, les religieux, les religieuses, sont-ils là? Voilà que la chorale tout à l'heure prend le chant, et ils vont voir le problème auquel vous êtes maintenant la famille. La secrétaire générale de la société de la faculté de la chambre, comme elle a dit, circonstances solennelles, je voudrais tout d'abord
remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il cesse d'accomplir dans ma vie. Et surtout pour cette autre merveille, d'avoir fait de moi cet humble serviteur, ce pasteur, pour cette communauté, pour la paroisse Saint-Augustin de Lucacre, qui m'a formé, comme vous avez pu l'entendre, l'écouter. Donc c'est comme un retour, n'est-ce pas, dans la maison, après tant d'années. Et c'est une grâce pour moi. Nous avons suivi le mot de bienvenue du président de FMA, qui annonçait déjà cette charge aussi noble, je dirais, mais aussi lourde pour ces âmes, ces étudiants qui ont besoin de soi d'un pasteur. Donc je remercie au Seigneur d'avoir fait de moi, de m'avoir choisi comme le berger, n'est-ce pas, de ce troupeau. Je suis très content de savoir que je serai accueilli, mais je dirais aux étudiants par la voix du président de la Fédération, n'est-ce pas, du mouvement, l'apostolat, que aidez-moi, n'est-ce pas, à être votre pasteur. Et j'aime bien reprendre ces paroles du pape François, qui invite, n'est-ce pas, ses pasteurs à exhaler le parfum, n'est-ce pas, par les bergers, n'est-ce pas, de leurs brebis, de leurs troupeaux. Donc je verrai aussi, n'est-ce pas, exhaler le parfum, n'est-ce pas, de ces étudiants qui ont besoin d'un pasteur. Donc nous allons, je vous le promets, nous allons travailler ensemble avec la grâce. Avec moi, la bénédiction de l'Esprit Saint sur ton serviteur, l'abbé Christian et ses collaborateurs, l'abbé Ferdinand, l'abbé Junior, l'abbé Jean-Fosseur, que nous venons d'installer curé et aumônier, assure-leur la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.